Bien bonjour à toi cher viewer, cher abonné, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Wartell. Donc comme tu peux t'en souvenir, la dernière fois, on avait livré un prisonnier à la prison pour avoir la récompense du moins de la... On avait reçu une soixantaine de pièces d'or. Donc là maintenant, on va pas comme Chapolo, là justement, dit en commentaire. Chapolo qui suit la série et qui fait également partie de la troupe. On ne va pas s'occuper des rats maintenant, ce n'est pas la peine de risquer le danger. Là, il y a un contrat ici. Mais bon, on a quand même pas mal d'argent, donc on va partir en exploration. Donc ici, il y a le phare à libérer. Ici, accepter de venir en aide au charpentier. Ah oui, donc le charpentier... Partir là-bas, donc ça c'est pour le DLC. Le tombeau, on verra ça plus tard, on s'alliera, et le repère de brigands. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en exploration. Et puis on va essayer aussi d'avancer un petit peu au niveau de la quête principale. Et pourquoi pas voir aussi si on pourrait pas trouver un nouvel allié sur les différentes contrées. Au niveau de la nourriture, on est large. Donc là, on est pas mal du tout. Et surtout, on va faire des économies. De matériaux, comme justement aussi Chapolo l'a souligné, il ne faut pas tout dépenser à la fois, et il faut aussi penser à la suite, parce qu'il est certain que le développement de meilleures armures coûterait beaucoup plus de matériaux. Donc là, de toute façon, on n'a plus de sel. Est-ce qu'on a quand même beaucoup de... On a encore du blé, on n'a plus de viande non plus, mais bon, on est quand même assez large. Donc là, on va verser la solde, c'est pas un problème. Donc déjà, il faut de la viande. Voilà, on met une viande, on va mettre des pains. Voilà. Et on va mettre un raisin. Bon, ça dépasse de 1, c'est pas grave. Allez, voilà, le repos. Parfait. Nommer un capitaine, ça, on verra ça plus tard. Voilà, la troupe est en pleine forme. Eh bien, on va continuer par ici. On va voir ce qui peut être découvert. Ici. Bon, bah ça, c'est des matériaux, parfait. Cyril Tiltren. Ah bah justement on a besoin de bois. On va en profiter. Ici il y a des marchands, on va voir. Alors des cerises. 3 pièces d'or. Les poissons, non, on peut les pêcher. Ça aussi on peut le pêcher. Est-ce qu'on prend des cerises? Non, c'est de l'argent perdu pour rien. Sachant qu'on peut pêcher. On va aller voir la Syrie. Alors est-ce qu'il y a des choses à ramasser des... Ah, on n'a pas de bûcheron. Donc ça, on verra ça plus tard. De la chambre. Ça, c'est bon. Alors, Inès. Je suis navré mercenaire, mais il n'y a rien d'intéressant pour vous ici. Ce bel établissement n'est qu'une honnête série et je suis son humble propriétaire. Ah. Ça paraît un peu louche. On va... Ah bah, apparemment, ici, il y a quelque chose de verrouillé. On va regarder ça. Du coup, utiliser clé ouvragée. Comment ça se fait que c'est verrouillé comme ça? Ah, ici. Ah, clé ouvragée. Travail d'un excellent ferronnier, ces clés doivent être verrouillées, des serrures avancées. Eh ben, on va prendre la clé. Oh là là, qu'est-ce que c'est de ça? On dirait que ce sont des esclaves. Inspecter ici. Un manuel de travail. Ouvrage traitant des techniques de travail anciennes. Connaissance plus 1. Ah bah ça c'est parfait. On va le lire, voilà, on gagne un point de compétence. Alors, réfugié. Cette femme nous avait promis un travail honnête et regardez où nous en sommes, plus maltraités que des esclaves. La garde ferme les yeux. Après tout, pourquoi aider des réfugiés des Dorans, hein? C'est une honte, là. Ne me faites pas de mal si je reçois encore un seul coup de fouet. En plus, ils sont fouettés. Ah non, là elle va le regretter. Ouh, elle est plus là. Par contre, on va ramasser la résine et le bois. Il faut bien regarder partout. Et on se fait attaquer. Hélas pour vous, fouiller la cave d'un esclavagiste est rarement une bonne idée. Ah ben, on va combattre. Ils sont de niveau 2. Donc, il y a la chef, 2 truands et 2 braconniers. Alors, les 4 sont ici. Donc, Inès, c'est la chef. Elle est hors la loi. Critique 39%. Ouf! Je crois que c'est d'elle qu'il faut s'occuper en premier. Ici, Chapolo. Ici,
Ackert, on va le mettre ici. Maximiliano. Axe. Non, Axe en retrait. Axe en retrait, soyons logiques. Du coup, bah, c'est Monique qui va commencer le bal. Du coup, on va faire ceci. Ouh, le coup critique. Plus le saignement. Oh, elle l'a presque battu. Incroyable. Incroyable, cette Monique. Bah, la chapeau loup. Vas-y, chapeau loup. Bon, bah, voilà. Ils ont plus de chef. Bon, bah, comme ça, c'est fait. On gagne la galvanisation. Parfait. Bah, chapeau loup, c'est bon. Le suivant qui va attaquer, c'est le braconnier. On va y aller avec Lombardie. On va utiliser la frappe déstabilisante. Voilà. Donc du coup, la taillade. Magnifique. Parfait, Lombardie. Non, 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 personne ne s'enfuit. C'est trop facile, ça va pas se passer comme ça. Donc le suivant à attaquer, c'est celui-ci. On va y aller avec Maximiliano. Superbe, bon coup de hache. Allez, on va se placer ici. Allez, Ackert. Il est battu. Bien joué, Ackert. Du coup, il n'y a plus que celui-ci. On va y aller avec Taurus. Voilà, parfait. Et là, c'est Axe. Et bah, Axe, il va déjà faire le tir de recul. Voilà. Et le tir final. Et ben voilà, on n'a même pas été touché. Super. Alors, un crochet, une dague du meneur. Un casque de hors-la-loi et 30 crônes. Super. Du coup, au niveau du matériel, on va regarder pour Ackert. Chapeau loup, il y a déjà le casque. Ici, armure plus 2, compétence Strychnin de l'assassin. Dégâts augmentés de 25% contre les unités empoisonnées. Ah bah c'est pas mal. Voilà. Et la dague du meneur, il a quoi dans la main? Un surin rouillé. Compétence tourbillon sournois à la place de coup de poignard. Ah donc c'est une attaque circulaire. Inflige à toutes les unités dans la zone. J'aime mieux coup de poignard malgré tout. Et chapeau loup, il a quoi lui? Dague abîmée. Non, on va rester comme ça. On va aller libérer ces pauvres diables. Ah bah ils sont plus là. Bah on peut pas leur parler. Bon bah en tout cas, bon bah on a libéré les... Je pensais qu'on les retrouverait sur la carte. Non, ils ont dû se sauver. Allez, on continue par ici, on continue notre exploration. On a déjà fait quelque chose de bien ici. Voilà. Ah, apparemment il y a quelque chose ici. Le camp des trackers. On va voir sur la carte où on est. Ici. Ici on a placé un piton. Donc on découvre un 23e lieu, le druide Barirance. Vous enviez nos peintures de guerre, hein? Ah, vous n'êtes pas les premiers. Dommage pour vous, les mercenaires. Je ne peux en faire qu'aux initiés. La seule façon d'être un initié, c'est de se rendre à Luderne et demander à la druidesse dans la clairière des Tulls, mais je ne vous la conseille pas. Le chemin pour s'y rendre est périlleux. Le maître tracker. Ouh, il a un sacré casque. Je suis le maître tracker Brennan. Mon rôle est celui de notre confrérie et de débarrasser le continent de ses fauves. Nous récompensons les chasseurs pour leurs trophées et protégeons le peuple de ces bêtes. Si vous souhaitez intégrer nos rangs et bénéficier de notre savoir, il va falloir faire vos preuves et participer à votre première traque. Premier victorieux, ne revenez pas. Donc ici, au nord de l'écurie, tout accuse l'énorme loup Sika, traqué depuis quelques semaines. Ça pourrait être intéressant. Venus Bega. Cherchez pas à me vendre vos déchets, je recherche des crocs pour mener à bien nos rituels ancestraux. Alors elle vend des iris des neiges, de la viande séchée. Ah, je crois qu'on peut faire... Il y a une recette avec ça. Ça, on va l'acheter. Ah, c'est avec les... Ah, C'est avec les crocs en parfait état. Le cuir blanc. Le cuir blanc, ça peut nous être utile. Et on a quoi d'autre? Séchoir à viande. On n'a pas assez de crochets. Collier d'amitié. Perso chou.
Durée de la course augmentée de 10%. Nourriture 14. Ah, c'est une recette. Ah, mais ça coûte très cher. Hein. 200, elle a 100 aussi. Là, le cuir blanc. On va en acheter. Ça peut être utile. On a vu hein, qu'on pouvait en avoir besoin pour fabriquer des choses. Donc voilà, autant rentabiliser. Voilà, on va ressortir par ici. Très bien. Allez, on coupe par le bois. Ah, il y a des bandits ici. Il y a des bandits, sûrement des complices. Attaque surprise, deux braconniers et deux truands. En espérant qu'on ne soit pas touché par la fatigue. Ah, bah, ils sont que trois. Ils sont que trois. Bon, ben, on va se placer comme il faut. Elle est où, Monique? Viens par ici, Monique. Et c'est parti. Voilà, on n'a même pas besoin d'utiliser le point. On va y aller avec Akert. Akert va se mettre dans le dos. Allez, Akert, le coup de poignard. Bon bah celui-là, il est au sol. Non, vous ne fuirez pas. Donc Akert, c'est bon. On va y aller avec, avec Lombardie. Allez. Parfait. Le point bonus. Ben voilà, celui-là, c'est terminé. Allez, Taurus. Ah non, Maximiliano, pardon. Magnifique. Et puis là, c'est Chapeau-Loup. Chapeau-Loup qui va arriver dans le dos. Et l'égorgement de Chapeau-Loup. Il y va pas dans la dentelle, hein. Quelle puissance. Et une armure, du charbon et des crônes. Parfait. Et puis de l'expérience aussi. La troupe est fatiguée. C'est l'heure du repos. On va voir si Axe peut nous fabriquer quelque chose. Des cordes. Les cordes, oui, on peut en faire deux. Voilà. Parfait. Le coffre de camp. Bon, ça, on n'en a pas l'utilité pour le moment. Des crochets, on en a 7. Des hameçons de pêche. Des hameçons de pêche, on va en refaire 2. Ou non, 1. Voilà, ça peut toujours être utile pour Taurus. Alors, évidemment, il faut de la viande, on le sait. Donc on va prendre les pains. On continue avec les pains, voilà. Et puis on va prendre quoi? Des pommes le coup-ci. Voilà, c'est bon. Normalement, là, ça doit bien se passer avec la troupe. La relation entre Monique et Taurus s'est améliorée. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Et Maximiliano veut dire quelque chose. Bon sang, quel festin! J'en ai rêvé cette nuit, tellement le repas était bon. Si c'est ça la vie de mercenaire, à quoi bon être seigneur? Ah ben voilà, Maximiliano là qui a été heureux. Il aurait peut-être mieux aimé du fromage aussi. Mais en tout cas déjà c'est pas mal. Alors motivé, Maximiliano gagnera le statut bruyant, zone d'agression des ennemis dans le monde augmentée, plus 1 de relation avec les proches. Alors rassasié, c'est pas grave, on va prendre ça. C'est pas... Voilà, Maximiliano a amélioré sa relation avec Chapeau-Loup, Taurus et Asie. Eh ben c'est super. Bon c'est pas un très négatif, hein. Bruyant, c'est pas un souci. On est comment aussi au niveau de la solde, 142. On va retourner quand même voir à Strong Cap. Donc ce qu'on va faire, on va quand même aller chez l'apothicaire. Pour voir si Akert peut nous faire des... Ah ben voilà, Akert peut nous faire des remèdes. On va pas gêner. Et Akert devient alchimiste apprenti. Parfait, très très bien. Alors on a bien fait de venir. Au niveau de la forge, on va déjà aller vendre notre surplus. Donc ici, non. C'est du niveau 1, donc je suis certain qu'elle sera inférieure. Puis la dague de meneur, on va la vendre. Voilà. Parfait. On remonte à 1241 pièces d'or, puis on s'allège un petit peu. C'est très bien. Bon, par contre, la recette de la pâte à dents, ça, on va aller dans l'inventaire. On va pas faire l'erreur du misclic. Ah non, c'est vrai, il faut bricoleur confirmé. C'est vrai, c'est vrai. Donc ici, ah ben voilà, on peut faire la traque. Donc apparemment, c'est... Oui, on va faire la traque.
Donc la traque, c'est au nord des écuries. Si vous voulez rendre service, venez nous donner un coup de main. Alors, on arrive. Évidemment, on va affronter les loups. Ça devra toujours aussi de la nourriture. Alors, bon bah ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller très très vite, je pense. Monique, elle va frapper en taille. Voilà, parfait. Alors, Taurus. Taurus, il va venir ici. Voilà, ça c'est fait. Alors, nous ne fuirons pas. On va pas cracher non plus sur les points d'expérience. Alors, le garde. Ici, le fantassin. Ouh! Ah bah, ils avaient même pas besoin de nous. Ah non, ils ont pas besoin de nous du tout, en fait. Mais bon, c'est quand même nous qui aurons le coup final. Ah, c'est tentant, quand même. Non. Prenons la nourriture et l'expérience. Et ben voilà, des carcasses de la viande de loup, des crocs et du cuir. Et on, comme on a aidé la garde, en plus on a des points. Alors, nous voilà ici. Alors, le cadavre est affreusement mutilé par endroits. Seul un animal féroce serait capable d'arracher de si gros morceaux de chair. Apparemment, il y a des traces de sang. Ben, il va falloir les suivre. Attention, là on va se faire attaquer. Ah oui. 6K, voilà. Donc voilà, on va essayer qu'elle ne fasse plus de victimes. Donc ils sont placés. Ah, ils sont 6 quand même. Hein. Ils sont quand même 6. Et voilà 6K. Ouh, 52 points de vie. Bah là, ça va être plus compliqué. Bah, ce qu'on va faire, on va tous se placer là-bas. Si on peut. Non, ce serait plutôt le contraire en fait. Voilà, soyons stratégiques. Ici, 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 ici. Voilà, on l'amène déjà jusque là. On le place ici. Monique, on peut même la mettre là. Si Axe, on va le mettre ici. Et Taurus, ici. Et du coup, c'est Maximiliano qui va attaquer le premier pour s'éloigner de l'autre groupe d'ennemis. Voilà. Donc normalement, il n'aura pas assez de portée. Oh, ils vont loin quand même. On a bien fait de s'éloigner. Donc la Lombardie. Monique n'a pas plus de portée, c'est bizarre. Akert non plus. Bah du coup, le Maximiliano se fera toucher, mais on peut pas faire autrement. Voilà. Ils sont plus forts, hein. Ils sont plus forts. Voilà, il est déstabilisé. Allez, résiste Maximiliano. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal au niveau de l'armure. Mais bon, c'est un solide guerrier. Là. Ah, on n'a pas assez de portée. Bon, bah, on va y aller avec Chapolo. Bon, on va aller achever celui-là. Donc, en premier lieu, on va faire ceci. Voilà. En second lieu, on va faire l'écran de fumée. Ça va permettre à Maximiliano de faire une attaque. Excellent. Voilà. Du coup, avec Taurus, on n'a pas assez de portée. On va y aller avec Akert, c'est pas grave. Même si, attention, même si quand même il est moins protégé, il faut s'en souvenir. Voilà. Attention, le loup alpha. Pourvu qu'il est. Ah, ça va, il n'a pas assez de portée non plus. On est bon. Donc là, c'est Axe qui va s'avancer jusqu'ici. Axe va pouvoir tirer. Ah, attention. Ah non, non, il y a trop de risques. Il y a beaucoup trop de risques. Du coup, on va rien faire. Taurus, il va avancer en soutien de Akert. Ah, oulala, il y a un loup alpha plus 6K. Ouh. Et puis là, elle a pas assez de place pour passer, hein, Monique. Ouh, attention à Kert. Ah, Kert, là, il est en première ligne, c'est pas bon. Il faut avancer. Il faut avancer. C'est Maximiliano.
Voilà. Donc Samaliano va se faire charger par le loup alpha. Ah bah il a pas assez de portée. Très bien. Donc là il faut être malin. On va se placer ici. On va achever celui-là. Voilà. On gagne la galvanisation. On va se placer ici maintenant. Et on va faire le déchaînement sur celui-là. Voilà, comme ça, normalement, le Sika va attaquer Monique. Voilà, elle attaque Monique. Et ça fait mal. Et voilà, mais le contre de Monique, c'est bien. Très très bien. Bah là, Kert, il va pas se faire prier. Il va... est-ce qu'il peut lancer ceci? Non, c'est trop loin. Ouh là là. Magnifique. Bon, on va faire Kuro. La carte a débloqué le très glorieux. Non, non, ils fuiront pas. Pas question. Voilà, on va se mettre ici. On va lancer les fioles de poison. Ah, ah non, ça a touché les deux. Ça a touché les deux. Ah, attention, il est solide, hein, Maximiliano. Il est solide. Et là, c'est à chapeau loup. C'est à chapeau loup de frapper. Bah ça, pour frapper, ça frappe. Hein. Bravo, chapeau loup. Donc là, c'est à Taurus. On va passer ici. Voilà. Lombardie. Bah, Lombardie va s'approcher aussi. Voilà. Axe. Axe, il va suivre par derrière. Le nouveau round commence. Bah, on va l'engager. Ah bah, il y a le piège à loup, attention. On va l'engager avec, avec Lombardie. Oh là là, le coup critique. Ah bah c'est fini. C'est une boucherie. Hein. Alors, des carcasses, 19 crocs, 5 pièces de loup, de la graisse et du cuir. Excellent. On utilise les matériaux, voilà, parfait. La traque est terminée. Et en plus, il y a quelque chose à récupérer. Des champignons. Ah bah du coup, on va essayer de remonter. Est-ce qu'on peut passer le piton? Est-ce que le piton nous permettrait de remonter ici? Parce que ça sert à rien que... Du coup, Lombardie... Non bah Lombardie, il n'y a toujours pas de sel, donc on peut rien faire de plus. Du coup, on va se diriger tout de suite. Oh, ben, on va utiliser les carcasses. Hein. On va pas s'en priver, surtout que ça pèse lourd. Et puis la viande de loup. Ah, on va en garder. On sait jamais. Et puis voilà, un pain. Et puis des champignons. Voilà. Ah ben, les pains, là, ils sont très utiles hein, quand même. Parfait, la troupe s'est reposée. Très bien. La troupe est en pleine forme. Ferme prospère. Est-ce qu'on y est déjà allé? Je ne sais plus. Non. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ramasser? On va pas voler ces braves gens, évidemment. Alors, Odie, le chef du hameau. N'ayez aucune pitié pour l'homme que vous voyez là. Il a fui son pays pour venir voler notre grain. Ça, c'est pas bon. Ce parasite d'Edoran sera pendu haut et court pour son crime et nous dormirons bientôt sur nos deux oreilles. Donc ça doit être le maire du village, en quelque sorte. Non, on va pas voler. Eutrève. Je regrette, je n'aurais pas dû accepter de faire ça, mais nous n'avions plus de provisions, nous commencions à mourir de faim. Vous êtes des mercenaires? Oh, par l'œil, vous êtes notre dernière chance. Je vous jure que je trouverai de quoi vous payer. Vous que préveniez les amis de mon mari, ils doivent venir l'aider. Oui, demandez-leur de venir. S'ils pouvaient au moins plaider sa cause, raisonner ces gens qui veulent le tuer pour rien qu'un peu de grain. Donc on aurait du savon, et ça avancerait de 20 points l'histoire. Ce que m'a dit mon mari, c'était que ses amis vivaient au nord du lac, non loin d'ici. Revenez vite par pitié. Il dit rien d'autre. Bon, on va ressortir. Ouh, il y a quelque chose ici. Aidez la garde. Aidez-nous, je vous en supplie. Ah, il faut... ils sont quand même beaucoup, là, ici. Mais bon, on va pas laisser ces braves gens se faire tuer.
Ah oui, ils sont 7 quand même. C'est quoi ce personnage? Cette unité transporte des objets et essaye de fuir le combat. C'est logique. Ah oui. Puis lui, il doit survivre. On va les placer... On va les placer ici pour qu'ils puissent s'enfuir. Et nous, on va se placer comme ça. Ceux-là, comme ça, ils devront faire le tour. Voilà, Axetorus ici. Monique ici. Lombardie, pardon. Monique, elle est là. Donc là, ici, tout le monde est placé. On va s'occuper de ceux-là, déjà. Faisons les choses par ordre. Et on sait de coutume qui va commencer le combat. C'est bien. Allez, déchaînement. Non, ça vaut pas le... Si. Bon, ça suffit pas. Monique va se faire toucher. Ah non, ils sont deux à attaquer. Bon bah ça va, ils ont pas assez de portée. Et voilà, Monique est empoisonnée, attention. Il va falloir l'achever rapidement, hein, celui-là. Ah, il faut éviter que l'archer tire. Donc, pour pas que l'archer tire, on va l'engager avec Taurus. Voilà, parfait. Un point supplémentaire. Ah, on aurait pu faire... Ah, le coup critique. On aurait pu faire la riposte. Bon, j'y ai pas pensé. Du coup, avec chapeau lourd, ben on va se placer derrière celui-là. On va l'éliminer. Et voilà, superbe chapeau lourd, magnifique. On va faire l'écran de fumée. Ça permettra à Taurus de faire une contre-attaque. Superbe. Un coup gratuit, disons. Donc celui-là, il va faire son déplacement. Attention, quand même que les marchands ne se fassent pas attaquer. Sinon, on n'aura pas de récompense. Ah, on peut pas leur dire de fuir. Ah, parce que c'est pas leur tour. Donc là, ce qu'on va faire... Acker. Non, il n'y a pas assez de portée non plus. Comme Maximiliano. Donc si, on va y aller avec Axe. Axe, il va se placer ici. Axe, il va tirer sur le... Sur celui-là. Il va lui faire le tir de recul aussi. Parfait. Maintenant, il va se reculer. Donc celui-là, normalement, il n'aura jamais assez de portée. C'est bon, il n'a pas assez de portée. Donc là, maintenant, quand même, ça va être à Maximiliano de se mettre en première ligne. J'espère qu'il va pas pouvoir se faire... Oh non, c'est pas... Normalement, le maraudeur, il n'a pas assez de portée non plus. Il va falloir vite, rapidement l'aider. Allez, fuyez. Bah disons, vous avez pas beaucoup de... Vous pouvez pas aller bien loin. Bah là, on va y aller avec, avec Akert. Non, là, c'est trop dangereux. Voilà. Ah, ça va faire mal quand même. Ah bah non, faut pas fuir par là. Ouh, attention Akert. C'est là qu'on voit qu'Akert, il n'est pas bien protégé. Et là, c'est Lombardie. Parfait. La frappe déstabilisante. Voilà, celui-là, c'est terminé. On a la galvanisation. Très bien. Il peut encore se déplacer. Non. La marchande. Mais non, mais n'allez pas vers les ennemis. Qu'est-ce que vous faites? Ça va être dur pour Maximiliano là. Il faut absolument l'aider. Il faut absolument l'aider. On va y aller avec Axe une nouvelle fois. On va cibler celui-ci. Ah bah on n'a pas touché le bon. Voilà, au moins on a ciblé. Va falloir être solide hein, Maximiliano. Ah bah Maximiliano peut engager le combat. Bon, on va se mettre ici, comme ça l'ennemi pourra peut-être mal viser.
Alors autant viser le chef. Ah, Maximiliano là qui se prend la flèche dans l'épaule. Attention. Oh, j'ai peur pour Akert. Ouh, attention Akert. Attention, attention. Oh. Les choses en logique. Premier soin. Il faut lui empêcher le poison. Voilà. Maintenant, on va se placer ici. Ouf, magnifique. Bravo, Monique. Là, Maximiliano qui va se faire attaquer. Ils sont costauds, hein. Ils sont costauds. Et là, il faut se dépêcher. Il faut absolument aller l'aider. Parce que le Maximiliano qui se prend tous les assauts. Non, c'est trop loin. On peut pas l'aider. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ah, Maximiliano, là, qui encaisse. Ah, il souffre, hein. Il faut l'aider au plus vite. Lombardi, on n'a pas assez de portée. Et Maximiliano qui va encore se prendre une attaque. Aïe, aïe, aïe. Oui, il va falloir se dépêcher. Vite, 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 là. Bon, les marchands, ben, fuyez, fuyez. Là, il faut absolument... Il faut réfléchir. Faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est celui-là qui va réattaquer. Il faudrait l'engager avec Monique. Mais Monique a pas assez de portée. Est-ce que Lombardi peut se mettre ici? Lombardi va engager celui-là. Du coup, critique. Et on va faire déviation. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Bon, vas-y, s'il te plaît, vise Lombardi. Ah, ça a touché les deux. Non, Maximiliano. Ah, puis il va mourir. Ah non. La fleur. La fleur, la fleur, la fleur, la fleur. Ouf. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu. Ouf. Ah, c'est pas des petits rigolos. Ah, c'est un des combats les plus difficiles. Il faut réfléchir. Il n'a pas assez de portée. Il n'a pas assez de portée. Ça, c'est le chef. On va tuer le chef. On va tuer le chef. Il n'y a pas d'autre solution. Et voilà, c'est Chapolo qui l'a fait tomber. Voilà, Chapolo, il va faire ça. Kourou. Oh là là, le massacre de Chapolo. Non, non. Ils fuiront pas. C'est la première fois qu'on est vraiment en difficulté. Là, j'espère que ça va pas. Non, j'avais peur que ça cible. Maximiliano et Chapolo. Ouh, Chapolo qui est quand même sévèrement touché. Là, Chapolo, il va falloir reculer. Mais avant cela, on va utiliser le point bonus. Allez, Axe. Parfait. Voilà, la flèche en pleine tête. Il n'y en a plus qu'un. Là, on va y aller avec Taurus. Et à Kert, mince, qui est empoisonné. Non, on n'a pas assez de portée pour lancer le poison. Voilà les marchands. Esquive. Ah bah, faut pas se jeter dans le poison. Monique, elle va avancer au plus vite. Bah, en fait, ils courent n'importe où, les marchands. Ah, on n'a pas assez de portée. Il faut l'engager avec Lombardi. On n'a pas le choix. Voilà. Allez, allez Lombardi. Allez Lombardi. Ouf. Oh, on a eu chaud. On a eu très très chaud. On a gagné. Ouf. On a eu trois remèdes là. Trois remèdes. Maximiliano, il a une entorse. Chapolo, il a une déchirure. Akert, il a une entorse aussi. Alors on s'est pris des sacrés coups. Hein. Heureusement qu'on avait pu faire des remèdes. 11 matériaux.
Voilà, on trouve une statuette de champion. C'est une bricole, apparemment. On va la mettre en bas. On la vendra. Tabarre de meneur, niveau 3. Ah, ça, ça vaut le coup, par contre. Du blé. Les marchands vous remercient de leur avoir prêté main forte. Vous recevrez 100 pièces d'or. Excellent. Par contre, on va regarder de suite dans le niveau des armures légères. Donc, il y a axe. Tabarre de malandrin. Et celle-ci. Plus 7 en armure. Ah bah voilà. Ah bah voilà pour Akert. Voyons Chapolo déjà. Plus 1 en armure. Bon, c'est toujours ça. Et pour Akert, c'est la même chose. Mais c'est les mêmes. Ouf. Maximiliano est passé près du trépas. Il faut pas se voir trop beau. Hein. C'est là qu'on voit qu'il faut pas se voir trop beau. Il est où le piton? Ah bah on va le prendre. Est-ce qu'on peut rejoindre l'autre côté? Ah bah j'ai bien l'impression cuit. Ah bah on va pas se gêner. Hein. Du bois, du bois, du bois. Voilà, on va s'occuper de la... Hop, les résineiges. On a trop marché une nouvelle fois. On va leur annoncer qu'on a réussi la traque. Intéressant, très intéressant. Une sage digne d'un traqueur. Et vous avez accompli cet exploit avec de si piètres armures. Pour survivre aux chasses des traqueurs, il va falloir améliorer vos armures à l'aide de renforts. En plus de protéger leurs porteurs, les renforts des traqueurs sont aussi les preuves de leur exploit. Les concevoir requiert un savoir-faire et les porter exige du mérite. Je vous offre ce patron de conception de renforts d'armure. Le monde saura l'art de combat que vous avez mené contre Sika. La confrérie se présente dans chaque région, mais soyez prévenus. Nous ne traquons pas que des animaux ordinaires. Donc ça, on va l'apprendre dans le compendium. Et donc ça, l'agencement des écailles de ce renfort dessine des andouillés. Force plus 2, armure plus 9. C'est excellent, ça. On va le mettre à requiert une armure de niveau 6. Ah bah, c'est à garder précieusement. On va le mettre là. En tout cas, voilà une bonne chose. Alors... Donc on a de nouveau décroché, on va lui racheter du... On va lui racheter du cuir blanc, voilà, ça pourra nous être utile. Parfait. Donc voilà une bonne chose de faite. Du coup, on est revenu ici. On va aller près du lac. On va aller près du lac, puisqu'apparemment, c'est là qu'il y a des rebelles. Bon, on va s'alléger un petit peu. Là, c'est des marchands. Donc voilà, on va lui vendre ceci. Et puis on va lui vendre la tabarre de hors-la-loi. Voilà, c'est bon. Parfait. Donc le lac, c'est où? On va regarder au niveau des voies, si on peut débloquer quelque chose. Célèbre. Gagner 200 en influence, c'est bon. Gagner 10 niveaux de métier. Ah, bah voilà. Niveau supérieur débloqué. Connaissance et artisanat. Alors, les salaires sont négociés à la baisse pour le bienfait de la troupe. Solde versé aux compagnons réduit de 10%. Ça pourrait être utile. 10%, ça ferait quand même. On passerait à 128. On va prendre ça. On aurait des meilleures primes, donc ça ferait plus d'argent. On va prendre ça. Négociateur. Et ici, fabriquer 5 recettes d'alchimie. Voilà, parfait. Au niveau du compendium, du coup... Il faut deux. Oh, on n'a qu'un point. Transport augmenté de 10. Rationnement. La troupe qui mange 3 en moins. On va peut-être le prendre. Ou alors on garde ça pour la course d'endurance. Je pense que se déplacer plus vite, ça, ce serait pas de refus. Donc on va garder le point pour le moment. Ça baisse quand même la nourriture. Hein. Il faut faire attention. On récupère deux matériaux. Chapoulot veut dire quelque chose. Si je continue à ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps. J'ai encore mal aux côtes et ma vision est toujours aussi trouble. Ah, Chapoulot a un coup de... Se rouler en boule et pleurer un bon coup. Non, Chapoulot est un fidèle guerrier. Demander une prime de risque. Requiert 10 crocs. Salaire augmenté de 30%. Non, merci. Oui, il va consommer un remède. C'est pas un souci. Tiens, mon bon Chapoulot. Voilà, on peut ressortir d'ici. Parfait. Bah, le tour de Monique est fini. On y va avec Lombardie. On va pas utiliser les points de compétence, hein, c'est pas utile. Voilà. Voilà, on a un point bonus, on peut l'utiliser. Voilà, parfait.
Bon bah ça devrait bien se passer. Allez, Akert. C'est fini. Bon bah voilà. On prend. Ah, Maximiliano qui gagne un niveau et Akert aussi. Excellent. Voilà une bonne nouvelle. Alors, Akert. Au niveau de la volonté, bah on fait le plan de carrière. Voilà, ça a sauvé Maximiliano tout à l'heure. Voilà, on monte à 16. Parfait. Et Maximiliano qui monte aussi haut en niveau. Donc la volonté, lui, ça l'a sauvé. On peut augmenter sa force ou sa constitution. Augmenter son critique. On va augmenter le critique. Oui, comme il tape déjà assez fort. Par contre, on voit qu'il n'a pas de bouclier. Allez, on va faire le tour du lac. Comme c'est indiqué. Apparemment, c'est le camp, là, ici. Voilà, on est à portée. Ah bah voilà, on gagne un point de connaissance. Donc on va voir ce qu'on peut débloquer. Restauration. Les matériaux de réparation et les forgerons de village réparent 5 points d'armure supplémentaires. Augmente de 1 le nombre de primes. Troupes misanthropes. Dans l'écran de relation, l'action injuriée permet à deux ennemis de gagner le trait sociop. Non. Entraînement d'endurance. Vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 5%. Alors ici. Chasseur d'offres. On avait dit qu'on prendrait ça. Entraînement d'endurance. Vitesse de déplacement dans le monde augmentée de 5%. Ça nous sera bien utile. Ah bah on voit déjà Lombardie qui court plus vite. La troupe prend de l'endurance. Allez, on va aller au camp du lac. Alors. On va pas les voler. Alors, Nissian. La chef recrute tout le monde, y compris les réfugiés. Les villageois disent qu'on profite de la situation. Mais c'est mieux que laisser Saint-Jean mourir de faim, non? On peut pas lui donner tort. Léa, comment je me procure ces biens? Mais ce sont les fruits de mon travail acharné. Ah oui, c'est du vol, hein. C'est des receleurs. Isabeth. Nouvelle recrue n'est pas encore rentrée de son premier larc. Ça, cela m'inquiète. Voler du grain est facile et vite fait. Il doit s'être passé quelque chose. Non, il doit juste avoir du retard. Ce réfugié paraissait capable de réussir. Un ami à vous est sur le point d'être pendu. Ah, arrêtez dès la première tentative. Je n'aurais jamais dû demander à un simple paysan de nous rejoindre. Je ne peux pas le laisser se faire pendre par ma faute. Les gars, on lève le camp. Et vous, retrouvez-moi à la ferme. Votre aide ne sera pas de trop. Ah bah du coup là peut-être qu'on peut inspecter le camp. Ah bah là c'est plus du vol du coup. Ah bah du vin, de la bière, très bien, ça fait de la nourriture en plus. Relâchez le réfugié immédiatement. Mais vous avez ramené les brigands, mercenaires, êtes-vous prêts à les laisser nous massacrer pour sauver un voleur? Ce n'est qu'un paysan désespéré, relâchez-le et on s'en ira sans eux. Et qui dit que vous ne serez pas de retour dans 3 jours, Poppy, nos réserves? Nous ne laisserons partir aucun de vous. Il suffit, en garde. Mercenaires, quoi que ces voleurs vous aient promis, je vous paierai bien mieux pour nous défendre. Nous oublierons même que vous étiez mêlés à ça. Donc là on reçoit des sangles adaptables et là on reçoit des morceaux de savon. Ça c'est les villageois de Tiltren avec le chef du hameau ou alors les bandits. Non ben on va affronter les bandits. C'est des voleurs, c'est des receleurs, c'est pas acceptable. La troupe est honnête hein, avec Lombardie. Donc là on est 9 contre 7. Là, accès tout seul, donc c'est pas facile de le déplacer. Voilà, c'est bon. Ici, ici et ici. Donc normalement, on est tous là. Eux, ils sont où? Ici. Vérifier qu'il n'y a personne d'autre. Non, c'est bon. Du coup, Monique. Ah bah Monique, elle est là. Isabelle, on va attaquer la chef direct. Elle a quoi comme Isabeth, meneur niveau 3. Donc ça donne critique augmenté de 30% à tous les ennemis. Voilà. On va lui faire déchaînement. C'est du costaud. Hein. Allez, la fantassin.
Voilà, elle engage celui-là, parfait. Du coup, là, avec Lombardie, on va aller engager... Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va continuer sur la chef. Lombardie qui tape dans le dos. Le coup critique. Voilà, il n'y a plus de chef. Ça, c'est fait. Allez, il peut plus se déplacer. Ah si, il peut se déplacer. Ah, il va se mettre devant le truand. Lombardie est courageux. Il est engagé, c'est bon. Du coup, Taurus. Taurus va engager celui-ci. Le pugiliste. Parfait. Tous les alliés engagés dans la zone gagnent en riposte. Eh ben allons-y. La relation entre Chapolo et Taurus s'est améliorée. Ah bah ben voilà. Alors Audi, le chef du hameau. Ah bah c'est bien, il va pouvoir tirer. Parfait. Il s'en déplace. Ah bah là, on pourrait faire un carnage si on fait ceci. Voilà, il a riposte plus le... Magnifique. Voilà, ça c'est fait. Attention. Ils vont pouvoir nous atteindre ici, braconnier. Tiens bon, Monique. Tiens bon. L'autre braconnier. Est-ce que c'est Monique aussi qui va prendre? Allez, courage Monique. Faut t'accrocher. Ah, il y avait un piège, je l'ai pas vu. Désolé Maximiliano. Magnifique. Ah bah voilà. On voit le passage à niveau, en tout cas. Bon, lui, il aura pas assez de portée, c'est bon. Bon là, on y va avec Akert. On va empêcher celui-là de frapper. Voilà, le coup critique, excellent. Axe, il va venir par ici, je pense qu'il aura pas la portée. Non. Bon bah c'est à nous. C'est à nous. On va attaquer celui-là. Il a plus d'armure, la frappe déstabilisante, voilà parfait. Donc là c'est à Axe. Axe, il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Maximiliano. Il attaque celui-ci. Bon, elle, normalement, la fantassin, elle aura pas assez de portée. C'est bien cela. Bombardier qui se fait attaquer, attention. Allez. On y va avec Monique. Ah non, on s'est mal placé. Il faut s'occuper de celui-là. Voilà, Monique qui fait pas de dans la dentelle. Non, non, ben, personne ne fuit. Le déchaînement. Voilà, celui-là, c'est terminé. Allez, Audi, le chef du hameau. Pas sûr qu'il ait la portée. Oh si. Il a une bonne portée de déplacement. Voilà, une flèche. Parfait. Taurus, bah Taurus il va s'avancer. Chapolo, il a pas assez de portée. Ah bah du coup il va quand même réussir à attaquer. Et c'est Maximiliano qui prend la flèche. Quel courage hein, pour Maximiliano. Alors. Bah Monique, hein. Tu sais ce qu'il te reste à faire. On va utiliser le point bonus. Et c'est gagné. Super combat. 28 pièces d'or. Des babioles. Deux journaux. On les met en bas. Une cale du meneur. Niveau 3. Du blé et 28 crocs. On va tout réparer. Et Monique monte en niveau.
Au niveau 5, déjà génial. Superbe. On va augmenter sa... On va augmenter sa constitution. Parce qu'elle est souvent en première ligne. Voilà. Alors, folie. Dégâts augmentés de 50% contre les unités ayant 30% au moins de leur santé. La première attaque utilisée chaque combat inflige 100% de dégâts supplémentaires. Enfin, non. Non, ça, non. Double dégâts. Ou alors dégâts augmentés de 50% contre les unités ayant augmenté de... Témérité. Ça me paraît bien. Alors, faut apparemment retourner ici. Alors, Audi, le chef du hameau, intervention mal avisée a bien failli nous coûter la vie. Parce que vous avez débarrassé de ces brigands, je vais fermer les yeux pour cette fois. Voici une récompense pour avoir rétabli la paix. Maintenant, dégarpissez et laissez les honnêtes gens en paix. Les sangles adaptables. Qu'est-ce donc? Mouvement plus 1. Accessoire de ceinture. Ah bah, c'est intéressant, ça. Donc, mouvement 13. Mouvement 8. Peut être intéressant pour Taurus, il n'a pas beaucoup de déplacements. Maximiliano non plus. On va mettre ça à Maximiliano. Voilà, et comme ça il pourra se déplacer un petit peu mieux. Au niveau du casque. Ah bah il est mieux celui-là, cette cabale du meneur. Hop. On va voir si Chapolo c'est mieux. Non, il est moins bien, donc ça on le vendra. Vous les avez laissés pendre mon mari, que la bête vous emporte. Mais votre mari était un voleur, madame. C'est regrettable, mais... Il a voulu voler des honnêtes gens. On va se reposer. On va prendre les carcasses. Ensuite, le pain. On commence à être juste, hein, nourriture. La saucisse. Et une grappe de raisin. Voilà. Très bien. Là, on pourrait nommer un capitaine. Si on fait nommer capitaine, solde plus 3. Voilà, là, on va le faire parce qu'il y a quand même eu des belles avancées. Lombardie. Évidemment, nommer capitaine. Vous pouvez fabriquer la table de stratégie. Très bien. Bon, voyons si Axe est capable donc de faire cette fameuse table. Table de stratégie. Donc 3 ici, 3 de cuir, 2 tissus, 8 bois. Mais bon, on va la fabriquer. 20 points d'expérience apparemment. On va voir ce que ça apporte. Non, il faut retourner au camp. Alors, élaborer une stratégie de combat pour prendre le dessus sur vos adversaires. Génère un point supplémentaire. Ah bah voilà. Un point supplémentaire à chaque repos. On va la mettre. On va la mettre ici. Donc, compagnon gradé assigné, donc il faut mettre Lombardie. Ah bah non, ça va pas. Lombardie et cuisinier. Ben, le prochain capitaine nommé, ou lieutenant, je ne sais pas, sera attribué à la table. Mais au moins comme ça, elle est faite. C'est pas un souci. Voilà, du coup, là on est ressorti. On va se diriger vers la ville avant de se quitter. Sinon, je pense que l'épisode sera beaucoup trop long. Là c'est bien une belle avancée, c'est top. En plus on économise les matériaux. Voilà, on revient à Strong Cap. Allons-y. On va aller chez l'apothicaire déjà. Voir si on peut. Ah ben on peut encore faire des remèdes. Allons-y. Ça compensera pour ceux qu'on a utilisés tout à l'heure. On va aller à la forge, vendre le surplus. Là, on va lui vendre les bricoles. Le petit casque ici. Parfait. Donc là, on est pas mal. On va lui racheter un petit peu de matériaux quand même, parce qu'on en a beaucoup utilisé. Ici, on va voir si Monique peut nous fabriquer quelque chose de bien. Donc ça, c'est pour Monique. Elle a quoi dans la main? Une hache à bois rouillé. Ce serait quand même pas bien de faire une hache. Si, quand même. Au moins faire quelque chose de bonne facture. Parce que là, Monique, elle se bat avec la même hache depuis le début.
Parfait. Force plus 6, compétence en taille. Donc ça c'est pas mal. Donc une masse c'est pas utile. On peut faire des renforts du cerf. Ça utilise le cuir blanc, mais le cuir blanc on va peut-être le garder pour le moment, surtout qu'on n'a pas d'armure de niveau 6. La targe. 4 de bois, du cuir. Mais il faut quand même se rappeler que Maximiliano n'a pas de bouclier. Mais après on peut peut-être quand même en trouver. Mais il a failli mourir, donc je pense que prudence est mère de sûreté, comme on dit. Du coup on va faire une... Ah, il nous manque qu'un seul bois pour faire une targe renforcée. Non, bah dans ce cas on va attendre d'avoir un bois supplémentaire et on reviendra. C'est pas un problème. Du coup Monique, elle va... Ah bah voilà, plus 5 en force. Voilà, la hache rouillée, on va la vendre. Voilà, on remonte à 1283, très bien. On va aller voir à la taverne. Donc, apparemment ici, on pourrait négocier les contrats. On va annuler le contrat des rats. Et on va prendre celui-ci. Ah, c'est excellent ça. Ajuster la jauge de négociation pour tenter d'obtenir un meilleur prix du contrat en échange d'influence. Chance de réussite 100%. Ça coûte 51 d'influence. L'émissaire a accepté votre offre pour la mission. Offre actuelle. Ouh, ah bah ça fait une sacrée augmentation. Bon, on réessaye. Ouh. Oh bah ça vaut vraiment le coup. Allez. On arrête là. On accepte l'offre. 303 pièces d'or au lieu de 175. C'est énorme. Ah bah là, encore un, bien sûr qu'on accepte. Popo. Génial. Allez, c'est fait lettre. Si je m'engage avec vous, je ne serai plus un poids pour ma famille. C'est une guerrière. Mazoun. C'est une brute. Brute, c'est un peu comme... Ah non, c'est pas ça. On n'a pas de brute. Il a quoi comme tresse, monsieur? Élevé par les sangliers. Et travailleur. Il a une bonne constitution de base, il a déjà 13 en volonté. Ça pourrait être intéressant. On va regarder quand même les autres. Begat. Épéiste. Solitaire, 22 soldes. Non, elle a une toute petite force. Et ici, on revérifie ses fêlettes. Elle a un seul trait, elle est forte. Consommation 3. Et ici, Mazoun. Consommation 3 également. Et sachant, ici, donc briseur, massacreur ou destructeur, est-ce que c'est comme Monique? Non, c'est pas la même chose. On n'a pas de brute. Ça pourrait être intéressant. Il a fière allure en plus. 180 pièces d'or et 4... On va le prendre. On va le prendre. Majoun a rejoint votre groupe. Votre compagnon le trouve sympathique. Excellent. On va le placer ici. Alors, apparemment, Mazoun a un surnom spécial. Et apparemment, il s'appelle Alexidé. Alexidé. Donc voilà, Alexidé rejoint la troupe. C'est parfait. Du coup, on va partir sur quoi? Destructeur, massacreur ou briseur? Alors là, c'est casque intermédiaire et armure intermédiaire, impact empoisonné. Ou alors choc affaiblissant. Choc affaiblissant, c'est ce que faisait, je crois, Axe dans l'autre partie. Et c'était très, très utile. Et en plus, constitution plus 4, force plus 2 ou force plus 2. Ah bah, constitution plus 4. Le choix est vite fait.
Voilà. Et ainsi, l'unité gagne une déviation. S'il est engagé, obtenez 1. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez 1. Bah là, vu qu'il a bouclier, non, on va prendre duel valeureux. Voilà. On va augmenter la volonté, évidemment. Et donc ici, il n'a pas beaucoup de mouvement. On va utiliser le plan de carrière. Voilà, parfait. Alexis D, rejoint la troupe. Bienvenue à lui. Donc là, on a une belle ligne de défense, en tout cas. Au niveau du métier, il faut lui mettre un métier que... qui n'est pas attribué encore. Donc marmiton, le marmiton c'est Lombardie. Bûcheron, on n'a pas. Pêcheur, c'est Taurus. Bricoleur, c'est Axe. Voleur, c'est Chapoulou. Alchimiste, c'est Akert. Forgeron, c'est Monique. Et mineur, c'est Maximiliano. Et bien bûcheron, évidemment. Donc... Alexis D sera bûcheron et il gagne un point en force, très bien. Du coup, est-ce qu'on le laisse comme ça? Il est quand même pas beaucoup équipé. On va lui, lui retirer ses hardes. On va lui retirer son couvert de tonneau. Et on va lui retirer sa masse et on va aller fabriquer des choses avant de se quitter. En espérant qu'on ait assez de matériaux. On va pas vendre, on va pas vendre déjà pour la masse. Donc ça va, c'est bon, ça on est large. Voilà. Voilà. Parfait. La masse cloutée en fait. Donc force plus 7, alors que... Très bien. Alors que là c'est force plus 1, un vieux gourdin dont le manche est presque fendu. Donc ça c'est bien. Au niveau de l'armure, donc on peut lui mettre une armure lourde, mais ça consomme énormément, et comme Chapelot disait, il faut garder les matériaux. Donc là, hard, c'est armure plus 8, et si on lui fait une armure légère, ça consomme quand même des matériaux. Et une harde normale, sinon on lui fait une harde normale, le temps de trouver quelque chose. Là c'est plus 10, là c'est plus 8. Après, est-ce qu'il vaut pas mieux lui faire... Ah non, il faut du bois pour le bouclier. Donc on va lui laisser son couvert de tonneau pour le moment. Mais on va faire une harde, on va faire une harde normale. Ce sera toujours 2 points de plus. Allez Monique. Voilà, parfait. Même plus, plus 4, voilà. C'est bien, donc allez, Alexis D. Voilà, tu vas pas rester habillé comme ça. Voilà, des hardes. On leur met à son couvert de tonneau. Et là, et la masse. Voilà, il a déjà plus fière allure. Parfait. Donc on va pouvoir vendre ça et ça. Très bien. Ça on vend. Ça on vend. Et on remonte à 1135. Donc ça va, ça nous a pas coûté trop cher. Très très bien. Ah bah voilà, une belle avancée. Une belle avancée au niveau des voix. Donc, célèbre, 2 points. Forgeron, 2 points. Et t'es mérité, 2 points. Ah ben, on va regarder ça avant de se quitter. Alors, brave parmi les arts. Brave. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Si on possède 2 mains, c'est pour les forger cette arme de main gauche. Votre troupe peut compter sur des forgerons passionnés appliqués. Statistique des armes forgées augmentée 10%. Statistique des armures forgées augmentée 10%. C'est très bien. Opportuniste. Vos compagnons profitent des faiblesses de leurs adversaires. Le groupe a tendance à se vanter. Gain d'influence. On va prendre ça. Statistique des armes forgées. Des armures forgées augmentées de 10%. C'est excellent. Art de la forge. Voilà. Et ici, un point supplémentaire. Et bien voilà, chers viewers, chers abonnés. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. Une très très belle avancée hein, sur cet épisode. C'est très très bien, il faudra continuer sur cette voie lors du prochain épisode. Donc on a réussi plusieurs missions, on a fait avancer le scénario principal de Tiltren, on a recruté un nouveau personnage, on a battu de nombreux ennemis. Donc voilà, et comme je l'ai dit, il faudra continuer comme ça la prochaine fois, et cela sera donc la suite dans le prochain épisode. Si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, sache que je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Discord pour partager la passion des jeux vidéo avec de nombreux abonnés et youtubeurs.
En attendant, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Wartell. Surtout, prends soin de toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut! Évidemment, n'oublie pas de remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Ghislaine, Céline, Alexidé, MF7, Nefalo et TLRC. Un grand merci à vous!